Maintenant, vous êtes allé à Roissy, Charles de Gaulle, accueillir la fille. Toi, tu as garé ton, ta voiture dans le parking, là. Tu as, ce jour-là, tu as payé 5 euros. Tellement que vous avez attendu la fille, là. Il y a dit, Gaulle a fait avion. On n'a pas vu. Jerry, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, hey, attention! A tout fait, la, ma coach. Bac, tout, tout, tout. Moi, je suis allé déposer les dossiers à la mairie, de, à côté du chez moi. Attends, il y a les caviars, il y a des caviars comme qui ne sont pas ivoiriens, qui ne comprennent pas trop. Je vais récapituler, puis tu vas continuer. Ouais. En fait, toi, tu es ici en Europe, tu vis ici en France, tu es français. Ouais. Donc, il y a un gars, un monsieur qui est ici, qui, lui qui vient d'arriver, il est là depuis un moment, mais il n'a pas encore ses papiers. Donc, le gars, il allait te voir. C'est mon ami. C'est ton ami, voilà ton ami. Il allait te voir, il t'a dit, ah, que j'ai ma chérie avec qui je sors depuis le pays, qui est en Afrique, mais je l'aime. Donc, je veux la faire venir ici en France, mais je n'ai pas encore les papiers. Comme toi, tu es français, toi, tu vas aller la foutre, tu vas aller la marier. Voilà. Et comme ça, quand elle va rentrer, elle et moi, on va rester ensemble. C'est comme ça, toi, maintenant, tu as dit ce que tes conditions, le gars, il a accepté. Non, il n'a pas pris, il n'a pas pris l'un, lui, hein. Moi, je suis allé, il a fait ça gratos. Ah, toi, tu as fait ça gratuitement. Gratuit, en tant qu'ami. Avec lui, tu as fait ça gratuitement. Il a payé ton billet, tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as marié sa chérie, tout, tout, tout. Maintenant, la chérie, tu as fait tous les papiers qu'il fallait maintenant. Elle, elle devait rentrer en France. Donc, c'est toi qui es allé à l'accueillir à l'aéroport Charles, Roissy Charles de Gaulle. Oui. Maintenant, arrivé là-bas, tu as fait le question. Oui. Il était avec son mari en question. Le gars, il était posé dans la voiture. Le gars, même. On est parti même à truc, on est parti à, on est parti où même, oh, je me rappelle même pas de quoi, on est parti acheter de nouveaux vêtements à Créteil Soleil, à JD. Le gars, il s'est mis bien, il a acheté des nouveaux trucs, il veut se mettre bien devant la go. Donc, ça veut dire que la fille, elle devait venir arriver sur la France, mais elle descendait à Roissy Charles de Gaulle. Tu es parti avec son mari, son chéri là. Tu es parti avec lui à l'aéroport. Mais avant de partir, le gars, il allait faire du shopping pour elle. Lui-même, il a acheté des affaires pour lui-même. Merci, ma coach. Merci. Oui. Et maintenant, vous êtes allé à Roissy Charles de Gaulle accueillir la fille. Toi, tu as garé ta voiture dans le parking là. Tu as, ce jour-là, tu as payé 5 euros. Tellement que vous avez attendu la fille là. Il y a dit, Gaulle a fait avion. On n'a pas vu. On n'a pas vu quoi là. Et puis, ce qui est le plus énervant, 15 jours, le gars a pleuré. Hein. Il a pleuré comme un bébé. Et le gars a pleuré comme un bébé. Il dit, Ali, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris crédit, tout ça là. Il dit, on fait comment? Pour le mariage là, on fait comment? Il dit, Joe, ah, moi, il était... Moi, je t'ai déjà donné tout ce qu'il pouvait. On a parlé. Moi, je suis allé faire ça gratuit pour toi. Et puis, moi, je suis allé demander les documents à la mairie. Comment je vais justifier ça? J'avais trop de paperasse.